les amis, c'est aujourd'hui, je vais vous expliquer, là aujourd'hui on va faire un prank pour David. En fait, je vous explique comment ça s'est passé, comment ça se trouve, je suis ici. Alors je vais vous expliquer en globalité. En fait, au début je suis allé voir David et comme j'ai vu, je vous explique en global, là, je suis allé en bas de son allée. Je vois, il répondait pas parce que j'ai sonné sur l'interphone, voilà, comme d'habitude. Bah, je voyais que ça répondait pas. Et d'un coup, je vois quelqu'un rentrer. Bah, je le suis. Je commence à monter dans son étage et tout ça. Je frappe fort sur la porte. Vous voyez, je frappe fort sur la porte. Et j'entends personne. Bah, j'essaie d'ouvrir pour voir si c'est ouvert. J'ouvre. Bah, comme on va dire, comme tout le monde fait, bah, il regarde s'il y a quelqu'un. J'appelle David, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Et bah, j'ai une idée, bah, j'ai vu que sa caméra était à côté. Bah, j'ai pris sa caméra et voilà quoi. Et là, j'ai tout installé pour voir si c'était en ordre et tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais faire un prank pour David. Bah, j'espère qu'il va pas arriver au moment que je dis ça. Bon, bah, voilà quoi. Voilà. Et tu vois, je suis un peu stressé parce que finalement, Ah, ils ont quelqu'un. Oula. Il va peut-être venir, je sais pas. Mais voilà, on va faire un petit prank, tout ça. Il sait pas où aller cacher la caméra parce que je l'ai bien cachée. Mais voilà. Mais évidemment, je dois pas être là. Je sais pas comment il va réagir. Il va arriver peut-être là tout de suite. Ou je sais pas du tout. Après, voilà, je sais pas du tout. Mais voilà. Mais franchement, moi, ça va bien. Tout se passe bien. J'ai fait une bonne journée, voilà. Et ça fait plaisir de raconter ça avec vous. Et j'espère vous allez bien aussi. Parce que moi, ça va super bien. Ça fait plaisir de faire un prank et tout ça. J'espère qu'il va pas arriver tout de suite. Parce que, oula. Voilà. Et voilà. Bon, bah, je l'attends, mais ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas comment il va réagir. Il va croire que j'ai possédé sa chaîne YouTube, je le remplace, tout ça, mais un truc de ouf. Franchement, je sais pas comment il va réagir. Je suis stressé, je sais pas du tout. Mais tranquille, ça va aller. On allait se voir pour faire une petite vidéo de sketch, un peu de tout ça, mais ça doit bien se passer, voilà. Mais c'est comme ça. Voilà, bah, j'espère qu'il va pas arriver tout de suite parce que je sais pas comment il va réagir. Je sais pas comment je transpire, j'ai chaud. D'où il arrive, je sais pas du tout comment il va réagir. C'est pas. Tu fais quoi là? C'est pas qu'est-ce que tu crois. Tu fais quoi là? Je t'explique, tu veux que je t'explique vraiment? C'est pas ce que tu crois en fait. Tu fais quoi là? Franchement, c'est pas ce que tu crois. Mais tu fais quoi là? Tu veux voler Ne t'énerve pas. Mais tu fais quoi là? Calme-toi. Comment ça se fait que t'as. Bah, il avait ta caméra, bah, je l'ai pris directement, j'ai installé et voilà quoi. Je me suis mis à l'aise. Ouais, t'es bien, tu voulais me niquer ma... Surtout pas. En fait, je vais t'expliquer en globalité. Je suis arrivé ici pour te voir. Je t'ai pas appelé pour, voilà. Ouais, c'est ça, tu voulais me voler mes affaires. Non, oui. franchement... Ouais, c'est ça, tu voulais me voler mes affaires, c'est ça. Franchement, écoute-moi. Parce que là, je suis un peu stressé, parce que là, je sais ça... Mais comment ça se fait que là, je comprends plus rien. Ça te fait un choc, mais en fait, je suis venu en globalité, je t'explique en bref, je suis venu sonner. Non mais comment t'as fait? Non, t'as pas sonné, c'est impossible. J'ai sonné, il avait personne, il avait quelqu'un. Tu vas pas me dire, j'ai laissé la porte ouverte, non. Il avait quelqu'un, je suis rentré, je suis monté à l'étage, j'ai tapé fort comme un malade sur la porte, et genre, j'ai essayé d'ouvrir pour voir s'il y avait quelqu'un. Comment t'as fait? Je comprends pas, là, ça m'énerve, là. Bah la porte, en fait, elle a été ouverte. En plus, quand tu fais quoi, là? Tu fais une kid, là? Ah, tu voulais faire une vidéo dans mon dos? Oui. Non, comment ça se fait? Ah, je suis sûr, tu voulais niquer ma caméra. Non, c'est pas ça du tout. Bah, j'ai vu la caméra, je dis, bah, pourquoi pas faire une vidéo?
Tu voulais me sroquer, oui, tu voulais niquer ma chaîne, normal. Surtout pas, surtout. Non, man, tu veux me niquer ma chaîne comme ça, moi je dis rien. C'est quoi ça? Tu me niquais ma chaîne là, bah, la porte elle était entre-ouverte, je suis rentré et. Ouais, ouais, c'est ça. Je me suis mis à l'aise. Tu veux croire tes conneries là? Sûr. Bah, peut-être. Peut-être t'as mal fermé la porte. Comment ça j'ai mal fermé la. J'ai bien fermé, moi. Je suis rentré, la porte elle était déjà ouverte. Bah, je me suis dit, bah. Pourquoi pas m'installer en fait, c'est ça? Putain. Là, je comprends plus rien là. Putain, je comprends plus rien. Je comprends plus rien là. Non, mais là, ça m'énerve là. Moi, je suis désolé. Ah, mais je crois que j'ai laissé. T'es sérieux là? Donc, j'ai laissé la porte ouverte. Ouais, t'as laissé la porte ouverte. Putain, je savais pas où t'étais. Bah, je me suis dit, bon, bah, vas-y, il faut que je m'installe. Je me suis mis à l'aise. J'ai enlevé mon pull, ma petite veste. Hop, j'ai installé et voilà quoi. Ah, tu m'as appelé un peu. C'est toi qui m'as appelé là? Ouais, j'écoutais ma mère. Trois fois de suite, mais t'as pas répondu. Bah, si, elle répond pas. Ah, t'es sérieux? Je laissais ouvert ma porte, moi. Putain. Franchement, je suis désolé. Hein. Je suis surpris, moi aussi. Je suis stressé. Comment ça se fait que t'as retrouvé? C'est bizarre, t'as trouvé la porte. C'est qui? C'est la dame qui t'a dit la porte? Non, bah en fait le monsieur il est rentré, bah je l'ai suivi. Et bah je me suis dit, bah comme je connais son état, bah je vais y aller. T'as fait toutes les portes en fait? Non, même pas, j'ai frappé de toutes les portes. Il me dit, ah bah oui, on connaît, bah il est là, nanana. Ah, c'est les voisins qui m'ont dit. Ils m'ont dit, bah après j'ai frappé comme ça. Comme un malade, mais voilà. Putain, t'as pas défoncé la porte, je suis choqué là. Non, j'ai ouvert et. Ah, ça veut dire normalement j'ai laissé ouvert la porte. Bah, voilà, peut-être t'as fait un oubli. Ah ouais. Franchement, putain, je voulais manger ma pizza tranquille, je voulais faire ma vidéo. Ah, désolé. De pizza tranquille là, toi t'es venu la tête. Bah tant pis, hein, tu vas manger la pizza avec moi, hein. Maintenant c'est fait. Hein. Ah ouais, bah je peux partir tout de suite. Hein. Non, c'est bon, tu vas faire la vidéo de pizza avec moi, c'est bon. D'accord, allez, mais je suis choqué là quand même, t'as réussi à rentrer ouais. Chez moi comme ça là. Oh là là. J'ai pas fait exprès. Mais je pense que j'ai vraiment laissé ouvert, je pense. Hein. Ouais, sûrement. Ah, mais t'es trop fort. Hein. Putain, je suis choqué. Franchement, je suis vraiment désolé. Je suis stressé comme pas possible, je transpire, j'ai chaud. Moi, je sais pas du tout. Je suis choqué. Ça marche de ouf. Ah. Ici, même pas si c'est un prank ou pas. Ça marche de ouf. On continue rester ici. Ça marche de ouf. Et on va poursuivre le prank. Voilà quoi. Quoi, tu rigoles là? Non. Ah, c'était un prank en fait. Non, c'était un prank. C'était pas un prank. Ouais, c'était un prank. Ah ouais. Bon, on va faire la vidéo maintenant de pizza, hein. Maintenant ouais, on va manger. Hein. Ouais, j'avais acheté une pizza, j'allais manger tout seul tranquille ma pizza. Monsieur il est venu, vous regardez, une belle pizza de bonne qualité. Monsieur il est venu, il savait même pas que j'allais faire ça, je l'ai même pas appelé, hein, et c'est pas des conneries. Hein. C'est vraiment là, je suis choqué là. Là on l'avait jamais fait, là, c'est là. Je suis venu au bon moment. Comment il a fait pour savoir que. Ah, c'était là, tu vas me le payer cher, je vais le refaire ce franc, t'inquiète, je vais le refaire. Y a pas de soucis. Voilà les amis, il a découvert directement que c'était un prank. Voilà, on va arrêter tout de suite. Et après on va passer directement à la discussion. Voilà, c'est pas. I be like that she go. I be like that she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Ah, on est bien mange. Hein. Ouais. La boisson elle est fraîche. Faut finir hein. Bah, comme tu dis hein. Hop, attention à ta chemise. Franchement pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pu manger une pizza à la boîte Z. Puis voilà. Hein. Aujourd'hui était le bon moment. Malgré tout ça. Les amis, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et abonnez-vous si c'est possible. Ouais. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que je vais faire comme vidéo. Une vidéo peut-être pas franc et tout ça, mais. On se retrouve quand même pour une nouvelle vidéo de qualité. Là, c'était une vidéo de pizza parce que j'en ai pas fait assez. Et puis, on se retrouve tôt ou tard pour la prochaine vidéo. Salut et prenez bien soin de vous. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo.
Et puis, bon, je pense attendre les 18 likes ou peut-être 20 likes. On va dire, on va commencer par 15 likes. Ouais, 15 likes. Et mieux, à 15 likes, peut-être je ferai directement la prochaine vidéo dès que j'aurai mes 15 likes. N'hésitez pas à liker la vidéo. Partager. Des j'aime. Et commenter, c'est possible. Ouais, commenter, c'est... Allez, ça y est, amis. Et je vous dis, je suis choqué seulement sur cette vidéo. Je sais pas quoi vous dire. Puisque c'est moi maintenant l'invité de ma propre chaîne. Et puis, c'est lui qui gère ma chaîne. Puisque aujourd'hui, j'étais invité. Puisque j'allais faire ma vidéo. Et du coup, je me suis retrouvé invité. Donc, je suis un invité. Et puis, voilà, mon pote Karine qui est titulaire de ma chaîne aujourd'hui. C'est lui le titulaire de ma chaîne. Boss. Allez, salut les amis. Ciao. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.